tout le monde. Alors, voici les notes dont tu auras besoin à la clarinette pour Blowing in the Wind. Donc, je te rappelle que mon pouce est en arrière ici, sur le petit trou. Donc, pour Do, les trois premiers doigts. Ré, deux doigts. Mi, un doigt plus, toujours plus le pouce en arrière. Sol, zéro doigt. Là, tu n'enlèves jamais tous tes doigts comme ça quand tu joues, sinon tu ne seras jamais capable de revenir à temps sur ta clarinette, OK? Moi, je fais juste ça pour te le montrer. Donc, Do, parce que techniquement, tu lèves juste un petit peu. Mais là, je vais te montrer plus loin mon doigt pour que tu puisses bien voir les trous. Do, Ré, Mi, Sol, et là, la petite goutte ici. OK? Donc, dans la vraie vie, ça lève presque pas, comme ça. Do, Ré, Mi. Oups, Mi. Et là, quand tu vas aller faire ton La, OK? Tu pars d'ici. Tu vas faire glisser ton index en haut. Tu ne montes pas ton index en haut. Tu le fais glisser. Tu es ici, tu le glisses. OK? Important, entre chaque note, tu vas donner un coup de langue. Sinon, ça fait comme un coup de souffle puis ça ne fait pas le même son. Je te montre pour un coup de souffle sur un Do. Puis on n'est jamais comme à temps. Si je donne un coup de langue, ça va faire ta, ta, ta. Faut que tu dises un ta. On entend la différence, OK? Donc, ça va être bien important que tu donnes un coup de langue et non, d'essouffler. Si je souffle tout mon air puis pas de coup de langue, ça va faire ça. OK? Alors, je te souhaite une belle pratique. Bonne journée. 2, 3, 4. Ré, 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 mi, 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 sol, sol, la, sol. Ré, 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 mi, ré, do, ré. 1, 2, 3.